Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 30 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le dernier d'ailleurs de la base de données numéro 5. On est en train de réaliser donc un annuaire des vidéastes, des lanceurs d'alerte, des associations qui ont des chaînes sur Odyssée et ou sur Rumble et ou sur YouTube. Voilà, donc c'est une émission participative, c'est la cinquième de la sorte. Nous allons co-construire et finaliser cet annuaire alternatif. C'est De cette manière, c'est les pages jaunes des lanceurs d'alerte pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à nouveaux regards sur le monde. On sélectionne donc des vidéastes, des associations, des lanceurs d'alerte, mais aussi des humoristes ou des chaînes de traduction. Par la suite, on fera d'autres émissions de base de données ensemble pour référencer une somme de penseurs hétérodoxes, des sites d'information alternative ou encore des livres et des documentaires. Donc en tout, on va faire cinq cartes participatives et donc c'est la dernière euh, émission de la première série base de données qui est donc là pour réunir des vidéastes et des chaînes vidéo dans une époque où la quasi-totalité des médias sont la propriété des oligarques il est nécessaire d'offrir une alternative à cette propagande de classe de la classe oligarchique donc vous pouvez retrouver sous la vidéo en live le lien vers la carte voilà donc c'est https://mm.tt/ un long des chiffres et des lettres et donc, je vous laisse cliquer sur le lien. Et vous pouvez donc ouvrir sous votre navigateur eh bien, le lien, euh, d'ailleurs, que je vous mets dans le chat tout de suite. Et comme ça, vous pouvez cliquer dans le lien que je vous mets dans le chat. Hein. Vous pouvez y accéder depuis YouTube, depuis Facebook, depuis VK, Périscope ou encore Twitch. Voilà, nous sommes présents sur cinq plateformes pour pouvoir e tenter de court-circuiter la censure qui est là malheureusement très présente avec euh, tout un shadow ban, donc euh, le fait d'être mis dans l'ombre par les grands réseaux sociaux. Voilà, donc on a déjà référencé 170 chaînes ensemble. Donc le but de ce soir, c'est de monter à 200 chaînes. Donc euh, on a à peu près 1h30 ou 2h devant nous. Et donc il va falloir qu'on sélectionne 30 nouvelles chaînes et qu'on sera à 200. On mettra cette carte en pause pendant six mois ou un an et on s'attaquera donc à d'autres bases de données, de penseurs hétérodoxes, de médias indépendants, de livres ou de documentaires pour pouvoir avoir un autre regard sur le monde.